Donc pourquoi j'ai décidé de mettre du ciment sur mon parasol, je vous explique ça tout de suite. Donc là je vais le sortir dehors et je vais vous montrer où est-ce que je vais mettre le béton. Alors déjà je vais en mettre sur le pied hein, bien évidemment. Ça évitera qu'on me vole le pied du parasol quand je suis pas là. Et donc la deuxième véritable raison c'est par rapport à la partie parasol que vous pouvez voir ici. Donc là je vais l'ouvrir, donc je tourne la manivelle qui est juste ici. Donc là il est en train de s'ouvrir et vous allez voir pourquoi. Donc voilà, et là maintenant qu'il est ouvert, on peut constater qu'il bouge énormément avec le vent. Et donc à force de bouger comme ça, bah j'ai peur qu'il s'envole. Donc pour éviter qu'il s'envole, je vais tout simplement mettre un petit peu de béton. Alors je vais pas en mettre partout, hein. Je vais mettre juste du béton sur le bout en fait. Donc je vais mettre des pioquerets de béton hein, tout simplement dessus. Et ça va venir le stabiliser comme ça, vous voyez. Et après il s'envolera plus. Vous voyez là, on imagine il y a un poids de béton, vous voyez, ça bouge plus. Si je le lâche... Vous voyez, directement avec le vent, il s'envole. Alors là, il bouge pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais imaginez ce que ça va faire quand il y aura beaucoup de vent. Donc là, il sera stabilisé et ça évitera que donc bah il s'envole. Bon là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vent. Bon, je fais ça et je vous montre. Bon allez, bien évidemment, c'est une blague, hein, je vais pas faire ça, c'est sûr. Mais bon, je suis obligé de vous faire des vidéos troll parce que vous vous fichez de moi en permanence.